الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Alors on est dans sourate al-Hashr ayah 8. نحن في sourate al-Hashr ayah 8. للفقراء المهاجرين, pour les pauvres qui ont immigré. قال المفسر القرطبي, أي الفيء والغنائم للفقراء المهاجرين. Alors القرطبي, المفسر, il a dit للفقراء المهاجرين, c'est-à-dire الفيء, les butins de guerre, le bien que les non-croyants ont délaissé sans guerre, sera pour les pauvres et qui ont immigré. وقيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء ولكن يكون للفقراء, pour qu'il soit pas entre les riches, mais plutôt il sera pour les pauvres. وقيل هو بيان لقوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل, لما قال أولا للفقراء ولما قال ولذي القربى واليتامى والمساكين, après il a dit للفقراء المهاجرين, c'est-à-dire qui sont les pauvres qui ont immigré. En fait, les ذي القربى, ceux qui sont proches, et ceux qui ont, les orphelins, les misérables, les personnes de passage. Après il a dit les fuqara al muhajirin, c'est-à-dire ces gens-là sont les pauvres et qui ont immigré. Tu trouves parmi eux ces gens-là, tu trouves parmi eux les orphelins, tu trouves parmi eux les misérables, tu trouves parmi eux les gens qui ont voyagé. فلما ذكروا بأصنافهم قيل المال لهؤلاء لأنهم فقراء ومهاجرون. Lorsqu'on a cité les gens qui méritent al-fay et qui mérite al-fay, l'argent que les non-croyants ont délaissé. Lorsqu'on a cité ces quatre, on a dit qui sont pauvres et qui ont immigré. وقيل وقد يعني هؤلاء أخرجوا من ديارهم فهم أحق الناس به. Ces gens qui ont ces attributs et qu'on les a fait sortir de leur maison, alors ils sont prioritaires de prendre ce bien. وقيل ولكن الله يسلط رسله على من يشاء للفقراء المهاجرين لكي لا يكون المال دولة بين الأغنياء من بني الدنيا. Et ça a été dit que l'aïa, que Allah Ta'ala fait que ces messagers seront, Allah Ta'ala les mettent au-dessus de certains, ces messagers il les impose, ou il fait que seront au-dessus de certains, afin de que le bien de ce bas monde ne soit pas toujours pour les riches, mais plutôt qu'il aura un part pour les pauvres et les misérables. وقيل والله شديد العقاب للمهاجرين, أي شديد العقاب للكفار بسبب الفقراء المهاجرين ومن أجلهم. C'est comme on a dit, Allah Ta'ala a un très dur châtiment pour les non-croyants à cause, c'est-à-dire les pauvres, les misérables qui les ont fait sortir injustement. Allah Ta'ala soutient ces pauvres et ces misérables et il a préparé un dur châtiment pour les non-croyants. قال تعالى إذن للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا أي أخرجهم كفار مكة أو أحوجوهم أي أحوجوهم إلى الخروج. Qu'on les a fait sortir, parce que les non-croyants, les incrédules de la Mecque, ils les ont fait sortir, c'est-à-dire ils les ont poussés à sortir, ils les ont poussés à quitter la Mecque en délaissant leurs biens, leurs maisons. Et c'est pas facile que la personne sort de son pays, de sa ville, de sa famille, de ses biens, de ses enfants, de sa maison, parce que les autres ils veulent pas les laisser avec la foi. من ديارهم وأموالهم تركوا أوطانهم وأموالهم وتحملوا الضيق والتغريب في حب النبي صلى الله عليه وسلم. Alors ces gens-là, ils ont délaissé, comme on a dit, leur maison, leur bien, leur pays, leur ville, et ils ont supporté, comment dire, le fait d'être à l'étranger, de quitter
leur pays par amour pour le prophète alayhi salatu wasalam et par obéissance à Dieu azza wa jal. يبتغون فضلا من الله ورضوانا يبتغون أن يطلبون ils cherchaient يبتغون ils cherchaient le mérite de la part de Dieu azza wa jal et ils demandent de la part de Dieu une bienfaisance en leur part, une pourvoyance en leur part et l'agrément de Dieu. يبتغون فضلا من الله ورضوانا c'est-à-dire l'agrément de leur Seigneur. وينصرون الله ورسوله ينصرون الله ينصرون دين الله Yansurun, on dit mot à mot, soutient Dieu, soutient la religion de Dieu. Allah n'a besoin de rien, il n'a pas besoin de soutien. Mais ce qui est voulu ici, Yansurun Allah, c'est-à-dire il soutient la religion de Dieu et il soutient son messager. Yansurun Allah, aydin Allah wa rasulahu. Ulaika hum as-sadiqun fi imanihim wa jihadihim. Et ce sont les véridiques par leurs paroles et leurs actes. Et on a dit. قال بعض العلماء هذه الآية عظيمة الدلالة على حقية خلافة الصديق ومن بعده أمير المؤمنين عمر وعثمان وعلي. Et les savants de l'islam ont dit cette ayah est un grand argument, est une grande preuve de que Abu Bakr al-Siddiq est un calife de guidé. Pourquoi? Parce que tu as vu ici, Allah Ta'ala a parlé des immigrés qui sont pauvres, qui ont quitté la Mecque pour rejoindre la Médine. Et Allah a dit qu'ils ont fait ça pour l'agrément de Dieu. Il a dit qu'ils ont fait ça, ils ont délaissé leur maison, leurs biens, cherchant l'agrément de Dieu, cherchant la récompense de la part de Dieu, cherchant... et il a dit qu'ils ont fait ça pour... son mérite, c'est-à-dire sa bienfaisance, et il a dit Ulaika hum as-sadiqun, ce sont les véridiques. Ulaika hum as-sadiqun. Et ces gens-là, ils ont toujours dit pour Abu Bakr, Ya Khalifata Rasulillah. Ces gens-là, ils ont dit toujours pour Abu Bakr as-Siddiq, Ya Khalifata Rasulillah. Si c'est une parole de mensonge que Abu Bakr n'a jamais été Khalifa et que le prophète a dit le calife c'est Ali. Alors, et ces gens-là, ils ont dit à Abu Bakr Khalifa, ça doit être un mensonge. Alors, comment Allah Ta'ala a dit pour ces gens-là, vous êtes véridiques? هذه الآية عظيمة جدا لمن يقول القرآن ليس محرفا لا يقول القرآن محرف يقول القرآن هو كلام الله لا يدخل التحريف كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إذا كان يقول القرآن لا يستطيع أحد أن يحرفه وهو محفوظ إلى قيام الساعة فالله تعالى قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله الله تعالى قال وينصرون الله ورسوله ينصرون دين الله الله تعالى قال عن هؤلاء ينصرون الله وينصرون رسول الله فإذا قلت أنت كيف ينصرون الله إذا كانوا هم يحاربون الرسول ويخالفون أمره وقال أولئك هم الصادقون Il soutient la religion de Dieu, il soutient son messager et ils sont les véridiques. Ulaika hum as-sadiqun. Wa ulaika yaqulun ya khalifata rasulillah. Wa li Umar ya amir al-mu'minin. Fa law kana hadha kadhiban wa hadha kalam 'arin 'an as-sihha wa law kana Abu Bakr akhadha al-khilafa zulman wa Umar aydan. Fa kayfa wasafahum Allah bi annahum ulaika hum as-sadiqun wa Allah ta'ala la takhfa 'alayhi khafiya. La budd al-insan an yaqul hadha al-Qur'an wa hadha al-'aql. أما إذا كان واحد لا يعمل لا يريد أن يحتج بالقرآن ولا يريد أن يستعمل بعقله فالمشكلة والآفة عظيمة وخطيرة c'est un grand danger si la personne ne prenne pas le Coran comme référence et il ne veut pas utiliser la raison Allah a nommé ses compagnons véridiques et ses compagnons ils ont dit pour Abu Bakr يا خليفة رسول الله et ils ont dit pour عمر يا أمير المؤمنين وكفى بهذا دليلا على صدق ومعتق وصحة معتقد أهل السنة والجماعة أن الخلافة كانت لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي وأن النبي لو قال علي خليفتي لما تنازع اثنان من الصحابة مش 100,000 اثنان كو L'ayah ça prouve la véracité de la croyance de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a que le calife, le premier c'est Abu Bakr, puis après Omar, puis après Uthman, puis après Ali.
Et que si le prophète alayhi salatu wasalam a dit Ali est le calife après moi, et que les compagnons étaient présents, il n'allait pas avoir une divergence entre deux. Il n'allait pas, parce que Allah les a loués de cette manière. Des gens comme ça, si le prophète leur a dit Ali le calife après moi, il n'y aura pas une dispute, une discussion, une divergence entre deux, à plus forte raison, 100 000. لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال علي هو خليفتي من بعدي لما تنازع اثنان مش ثلاثة ولا عشر لما تنازع اثنان في من وصفهم الله بهذه الصفات لا يتنازع اثنان في طاعة الرسول والتسليم لأمره صلى الله عليه وسلم قال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم الذين تبوأوا الدار هم الأنصار استوطنوا المدينة المنورة قبل أن يأتي إليها المهاجرون ceux qui ont habité à Dar, ceux qui évoluent par Dar, c'est la Médine. On l'a nommé Dar parce que c'est Darul Iman. Ceux qui ont habité avant que les immigrés arrivent, ces gens-là, les auxiliaires, les gens de l'Aus et le Khazraj, qui ont été à Médine, qui ont embrassé l'islam, avant que les gens de la Mecque et les immigrés de certaines tribus arrivent. Ils étaient dedans, ils habitaient dedans. والإيمان لأن التبوء إنما يكون في الأماكن والمعنى لزم الإيمان. لما قال تبوء الدار والإيمان. تبوء الدار والإيمان. Mais il voulait par ça que تبوء الدار et ils se sont tenus à la foi. Parce que si tu dis tabawwa'u, ça on dit pour les places. Alors comment ça se fait? Ils ont dit tabawwa'u et on dit la foi. Et c'est dans le sens, ils ont tenu. Tabawwa'u dar, c'est la Médine. Et ils ont tenu à la foi. Ou tabawwa'u dar al-hijra wa dar al-iman. C'est comme on peut dire encore, ils ont été dans la Médine Darul Hijra, la demeure de la ville de l'immigration, et Darul Iman, la ville de la foi, puisque la foi a habité là-bas. Alors on a nommé Al-Madina Darul Iman, parce que les gens qui ont été dedans ont accepté l'Iman, ont cru. Alors on l'a nommé Darul Iman, au nom de ceux qui ont habité, qui sont des croyants. لأن أهلها نصروا الإيمان وأهله parce que les habitants de Médine ont soutenu la foi et les gens qui ont embrassé l'islam qui ont embrassé la foi أو تبوأوا الدار واعتقدوا الإيمان وأخلصوا ou on dit ils ont pris la ville de l'immigration et ils ont cru à la foi ils ont tenu à ça ils l'ont pris dans leur cœur وسمى المدينة أو سمى المدينة إيمانا لأن مظهره تبوأ الدار والإيمان. Où on a nommé la Médine Iman, c'est-à-dire c'est l'aspect de l'Iman. C'est pour cela il a été nommé Iman, c'est-à-dire c'est l'aspect de la foi. أو على طريق تسمية المحل باسم محل به, c'est-à-dire on dit la Médine, on l'a nommé Dar al-Iman parce que l'Iman حل بها. La foi est dedans, alors on l'a nommé Dar al-Iman. من قبلهم أي من قبل هجرة المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم c'est-à-dire ceux qui ont habité à Médine avant que les immigrés arrivent. Ça ne veut pas dire que les gens de Médine ont embrassé l'islam avant les immigrés. Non, les immigrés à la Mecque ont embrassé l'islam avant. Puis on parlait de les six personnes de Médina qui ont embrassé l'islam et que deuxième, troisième année, puis le prophète a commencé à dire à ses compagnons d'aller rejoindre, c'est-à-dire trois ans avant l'immigration, l'islam, l'iman a commencé à apparaître à Médine. Mais avant ça, les gens qui ont embrassé l'islam, c'est Abu Bakr, Uthman, Ali, Sa'd ibn Abi Waqqas, Ammar, Bilal, ainsi de suite. Vous connaissez les gens qui ont embrassé l'islam tout d'abord, c'était de la Mecque. يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ. Alors ces gens-là du Médine, Al-Ansar, ils aiment ceux qui ont immigré vers eux. يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ. C'est la fraternité de l'islam. هَذِهِ أُخُوَةُ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ.
وقد أنزلوا المهاجرين في منازلهم وأشركوهم في أموالهم اللي زون accueilli dans leur maison et ils ont participé avec eux leurs biens. Ils ont partagé avec eux leurs propres biens. أنزلوهم في منازلهم وتقاسموا معهم أموالهم شاركوهم في أموالهم. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا أي لا يجدون هؤلاء الأنصار في صدورهم حزازة أو غيظا حاجة يعني غيظا أو حسدا مما أوتوا أي مما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المهاجرين من الفيء دونهم. Et ces compagnons qui ont été à Médine, qui ont embrassé l'islam et qui ont dit Dar al-Iman, et ces gens-là qui ont accueilli leurs frères dans leur maison et qui ont participé avec leur, qui ont partagé leurs biens avec eux, ils ne trouvent pas de gêne ou de la haine ils ne sont pas aisés, ils ne sont pas plutôt là, le cœur serré de ce que Allah, de ce que le prophète a donné aux immigrés parmi le bien de الفيء والغنائم. Parce que comme dans la bataille avec Bani Nudayr, on a dit que le prophète les a fait sortir, il a dit vous prenez ce que les chameaux portent, tout le reste, et Allah Ta'ala a dit c'est pour le prophète Muhammad, parce que vous n'avez pas bougé les chameaux, les chevaux, mais vous êtes allés à pied. Et Allah Ta'ala a fait que les autres ont eu peur et ils ont dit on quitte. Alors il a dit, ce bien il est au prophète Mohammed. Et le prophète Mohammed l'a mis pour les immigrés. Puisque les immigrés, ils sont venus en délaissant tout. Alors le prophète a voulu que ces gens-là auront un peu de moyens pour qu'ils puissent habiter aisément, à l'aisement à Médine. Et les compagnons de parmi l'Ansar, qu'ils étaient plus nombreux. Et ici, les autres, le tiers, c'était l'Ansar, les deux tiers, au plus. Ils n'ont pas été en colère, ils n'étaient pas fâchés, ils n'ont pas eu de l'envie ou de la haine ou de jalousie contre leurs frères, puisque le prophète leur a donné le bien. Et vous connaissez ici la question d'argent, comment la jalousie rentre, comment la envie entre, comment la haine entre. Il lui a donné une marque. Tu vois, lorsque la mabitrol le mel, choubissir ben nas. Lorsque l'argent rentre et celui-là il a pris, moi j'ai pas pris, il a plus que moi, voilà, comme tu as pris je veux prendre, comme tu as volé je dois voler. Regardons la Tunisie, regardons le Liban, regardons l'Irak, les chefs qui dirigent, c'est les grands voleurs. Que ce soit le Lebanon, l'Irak, تونس بتشوف القادة هم السارقون اللصوص الكبار وبيحصدوا بعض وبيتخانوا مع بعض ويموت الشعب بس هن يبقوا إيش المليارات في خزائنهم وفي حساباتهم. أما الأنصار ما كانوا كذلك، لا يجدون ضيقا وغيظا وحسدا لما أعطى النبي من هذا المال للمهاجرين. إذ قسم أموال بني النضير بين المهاجرين ولم يعطي الأنصار من إلا ثلاثة. إلى il n'a pas donné aux auxiliaires sauf trois personnes qui étaient très pauvres parmi l'Ansar. Il leur a donné et l'Ansar était très satisfait. Ce bien il est pour le prophète Mohammed et on est satisfait que si le prophète a fait ce partage, lui il a plus de science et plus de sagesse. وهم بيعرفوا أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام لو كان عنده جبل أحد مثل أحد ذهب ما يحب أن يبقى عنده شيء أن يمر ليلة وعنده منه شيء. Eux ils savent que Sayyidina Muhammad s'il avait comme la montagne d'Uhud au nord, il n'aime pas passer une nuit et qu'il a quelque chose. Alors si le prophète a vu que de mettre le bien chez les immigrés, alors eux ils sont d'accord, ils sont satisfaits. قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا وصف للأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل المهاجرين. كانوا يؤثرون على أنفسهم أي يعطون من أموالهم في منازلهم، يؤثرون مع أنهم بحاجة، يعطون ما هم بحاجة. الله تعالى أدي ويؤثرون على أنفسهم les habitants de la Médine, Al-Ansar,
ils donnaient de leurs biens malgré qu'ils étaient dans le besoin, ils donnaient aux immigrés de leurs biens. وكان نزل ضيف برسول الله فأعطوه أطعام الصبيان. Il n'y avait pas un invité qui est venu et le prophète il a dit qui prend l'invité du prophète alayhi salatu wasalam. Un compagnon l'a pris, puis après ils n'ont trouvé que le repas des enfants. Il a fait dormir les enfants avant l'heure et ils ont donné à cet invité le repas. Alayhi جال الرأس من الغنم على سبعة أشخاص ورجع للأول. Sept personnes parmi les pauvres de parmi les Sahaba, quelqu'un qui a reçu la tête d'un mouton et qui a tourné vers sept personnes et puis après il est revenu au premier. Oui, je vous dis maintenant une tête de mouton pour vous c'est pas grand chose, c'est pas un culot de viande, mais oui il y a déjà lorsque tu mets dans l'eau et tu chauffes dans l'eau ça. L'eau après, il a le goût de la viande. Tu peux faire tharid. Tu peux faire tharid avec ça. Fatta, yani. On a fait le choubouz avec le ma'a. Et tu mets le lisan et ce qui sort de la viande. C'est un aliment fakhir fi tilka al-ayyam. Il a tourné à cette personne, puis après il est revenu au premier. Il a hadha al-had yu'thiruna ala anfusihim. Jusqu'à ce point, il dit l'autre il est prioritaire, l'autre est prioritaire, l'autre est prioritaire. هكذا وصفهم الله تعالى مدحهم رب العالمين الذي أعلم بحالهم. بعض الناس يسبونهم. Il y a des gens qui les insultent. والله تعالى قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الله تعالى a dit que ces gens-là ils donnent malgré qu'ils sont dans le besoin. والإيثار هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنيوية وترغيب في الحظوظ الدنيوية والأخروية. وذلك ينشأ عن قوة اليقين وتوكيد المحبة والصبر على المشقات. Qui arrive à donner tout en étant dans le besoin? C'est lui qui a la forte foi. C'est lui qui aime vraiment son frère. C'est lui qui patiente sur les difficultés. Il arrive à faire cela en espérant qu'il aura plus le jour du jugement. Il se prépare pour le jour dernier. هذا يستعد ليوم البعث ليوم القيامة. ولو كان بهم خصاصة يعني فقر وحاجة. Mais malgré, même si eux-mêmes sont dans la pauvreté et dans le besoin, ils donnent. وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى النساء فقلنا ما معنى إلا الماء. هذا اللي كنت عم بحكي قبل. Le hadith que j'ai cité avant, le Bukhari a rapporté que Abu Huraira, qu'un homme est venu chez le prophète alayhi salatu wassalam, et le prophète alayhi salatu wassalam a appelé ses épouses pour dire qu'est-ce qu'on a. Ils ont dit on n'a que l'eau. Chouf, il a azwajihi. Sayyidina Muhammad il a envoyé vers ses épouses dans les maisons de ses épouses. قال ما عندنا إلا الماء. Les épouses ont dit on n'a que l'eau. ما في واحدة عندها قالت قمح. Il n'y a pas une qui a dit j'ai le blé, j'ai le maïs, j'ai l'orge, il n'y a que l'eau. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا. Le prophète a dit qui prend celui-là, qui le prend chez lui comme invité. قال رجل من الأنصار أنا. Un parmi les auxiliaires il a dit moi. فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله. Alors l'homme il a été vers son épouse et l'a dit c'est l'invité du prophète, honore-le, faites comme il faut avec l'invité du prophète alayhi salatu wassalam. فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني. La femme a dit je n'ai que la nourriture de mes enfants. قال هي طعامك وأصبحي صراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا العشاء. Elle a dit le repas des enfants. Il a dit bon, prépare ta nourriture, prépare la lampe à l'huile, voilà, et fais dormir les enfants avant. Fais dormir les enfants. فأصبحت هي الطعام أصبحت سراجا نومت صبيانا. Il a préparé à manger, il a mis la lampe et il a fait dormir les enfants. ثم قامت كأنها تصلح السراج. يعني l'invité est venu et elle a fait semblant que je fais réparer et elle l'a éteint. Lèche, il a éteint.
Parce que si lui, il va manger tout seul. Comment il va manger tout seul? Il va être très gêné. Il dit, je mange la nourriture des gens. Il va être gêné, il ne va pas manger. Alors on a fait ça pour faire semblant qu'on est en train de manger avec lui. Un nomade, voilà, on a fait semblant qu'il n'y a plus une lampe. Alors on va manger sans la lampe. On a mis le repas. Alors lui, il mangeait. Et les autres, ils font bouger la bouche sans manger. Tu vois, c'est lui qui fait semblant qu'il mange. Parce qu'il faut qu'il se sent à l'aise. مطلوب هذا الضيف يأكل مرتاح. نحن عم نأكل معك طمأن كذا. يوهمونه. يوهمونه أنهما يأكلان معه. ولكنهما لا يأكلان. هو الضيف يأكل. فباتا طويين. Eux-mêmes, ils sont dormis sans manger. Et les enfants sont dormis avant le repas. Alors le matin, قال عليه الصلاة والسلام ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. C'est-à-dire, le hadith a été rapporté. ضحك الله الليلة. Et ضحك ou عجب, dans les deux sens, Allah a agréé ce que vous avez fait. Allah a agréé ce que vous avez fait. Alors, هون الوهابية يحبون أن يقولوا ضحك. Ils disent Allah a rigolé. الوهابية, ils disent Allah a rigolé. عجب, ils disent Allah s'est étonné. Alors, si on va prendre عجب. Si vous dites selon l'apparence étonné, ça veut dire quoi c'est étonné? C'est-à-dire il n'attendait pas à ça et il a trouvé ça. Il ne savait pas, il a su. C'est ça étonné. Si vous dites c'est ça qui est voulu, c'est la mécréance. Si vous dites c'est pas ça, alors vous avez interprété. Si vous dites ajiba, c'est pas dans ce sens, alors il a un sens qui convient à Dieu. C'est-à-dire Allah a agréé ce que vous avez fait. Allah a agréé, Allah radia minkuma hadha al-fa'l. واستعمل هذا اللفظ مجازا عجب وضحك مجازا وليس أن الله موصوف بالضحك والقهقه على الحقيقة اللغوية إنما هذا أطلق على الله على معنى يليق بجلال الله. Ça a été utilisé pour Dieu dans un sens qui convient à Dieu. البخاري أول الضحك بالرحمة. البخاري a interprété الضحك par la clémence. وتأويله بالرضا أقرب. Et si on interprète le fait de dire par l'agrément de Dieu, c'est plus proche. قال تعالى فأنزل لما فعلوا هذا أنزل الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Suite à ça, comment il a agi ce compagnon avec son épouse sans être énervé, sans se plaindre, tu vois. Et Allah تعالى dit ويؤثرون على أنفسهم. Il donne malgré qu'ils sont dans le besoin, il donne même s'ils sont dans la pauvreté et les besoins. لما يكون الإنسان عنده مثل هؤلاء الأصدقاء الذين إذا كانوا في ضيق لا يخبئون عنك يقسمون يطعمون. أما بعض الأحيان ما الفائدة إذا كان عندك صديق عنده مليارات وإذا ينتظرك حتى تذهب فيأكل اللحم ينتظرك حتى تخرج فيخرج الحلوى ما نفع هذا الغنى. Si tu as un invité pauvre, il partage avec toi une pomme, une date. Il partage avec toi un bout de viande. Il partage. C'est ce que j'ai. Voilà. Il partage avec toi un bout de pain. C'est ce que j'ai. Et ça, c'est un bon ami. Ça, c'est un frère. Mais si c'est un homme riche, il t'attend que tu pars pour qu'il mange la viande. Ou il t'attend que tu pars pour qu'il mange le pâtisserie. Ou voilà. Alors, à quoi ça sert cette amitié? Et à quoi ça sert cette richesse-là? Il a toute cette richesse. Wadem binzal al-qabr. Lui, une personne, il avait 1 million. Il a dépensé pour lui, disons, 100 000. 100 000, il a dépensé pour... Il va être questionné. Le 900 000, tu as laissé pour qui? Tu as laissé pour des gens, peut-être ils ne vont pas lire le Fatiha parce que tu as laissé trop d'argent. Ils vont aller au disco. أنك تركت مال كثير استعملت 100 000 لنفسك بالدنيا بالتمتع تركت 900 000 لأنه كنت بتخاف من يومك الأسود فتركت 900 000. فهؤلاء الذين ورثوها بعض الأحيان ما بيقرأوا لك الفاتحة لأنه بدين ينفقوا عندك ما عندهم مال كتير. قد يجمع المال غير آكله ويأكل المال غير من جمع. أما الأنصار ما كانوا كذلك. Les auxiliaires n'étaient pas parmi ces gens-là qui ramassent, qui cachent, mais ils étaient des gens qui partagent et qui donnent. قال ابن حجر ونسبة الضحك والتعجب إلى الله مجازية حتى يفهم الوهابيين أنه نحن مع قول ابن حجر العسقلاني. ما الوهابيين بيقولوا الله ضحك الديز الله ريغول مو جدي ان فان كان الدي الله ريغول الله سيتون الله مي سي با كوم سا دون لا لانغ فرونسيز
En arabe, ça a été rapporté. Ibn Hajar, il a dit dans Fath al-Bari, au 7e volume, à la page 120, il a dit Dahik wa ta'ajjub, c'est une attribution métaphore, ce qui est voulu par ça, l'agrément. Allah a agréé leur acte. Et Ibn Hajar al-Asqalani, Khatimatul Hufaz. Mais le Wahhabine, tu penses que Ibn Hajar, pour eux, qui, pour eux, Ibn Hajar, ma'al Nawawi, ma'al Ghazali, ma'al Bayhaqi, tout ça, il dit ça, c'est pas parmi Ahl-Sunnah. إذا ابن حجر العسقلاني مهنا نحن نقول ابن تيمية وابن عبد الوهاب هؤلاء الضالون منحرفون هؤلاء يسبون أئمة عظاما هؤلاء حصروا الوهابية عندهم المرجع ابن تيمية ونقطة على السطر ما عاد في أحد فبتروح عندهم تسألهم عن كتب العقيدة لا تجد كتب العقيدة لأهل الإسلام تتروف با لي ليفر دو العقيدة شيزو سوا لي ليفر دو الوهابيين ابن تيمية اي با بلوس با بلوس اور Les savants de l'islam au niveau de l'aqida, on parle des milliers, pas on parle de l'Baqlani, de l'Bayhaqi, de l'Juwayni, de Ibn Hajar al-Asqalani, de l'Ghazali. Alors tu ne trouves pas leurs livres. Et après, lorsque tu dis, mais al-Akhbiya hum al-Wahhabiya, les idiots, ce sont les Wahhabis, ils disent comment tu. Et vous dites Ibn Hajar al-Nawawi, al-Ghazali, al-Bayhaqi, vous dites qu'ils ne sont pas parmi Ahl-Sunnah. Et cela, je vous dis en ça. أن تقولوا عن ابن حجر والنووي والغزالي والبيهقي والجويني تقولون هؤلاء ليسوا من أهل السنة إيش يعني هذه مسبة عظيمة أنتم تضللونهم وتكفرونهم هذا معناهم والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم